Julie et Guillaume, vous n'échapperez pas, vous non plus, à une interview. C'est l'interview frères et sœurs. 1, 2, 3, 4. Attention. Lequel était le plus mignon bébé? Oui. C'est moi. Ah ouais. Il était beau, c'était horrible. Non, moi j'étais vilaine, mais je m'en fous. C'est pas vrai, c'est la plus jolie. Hein. C'est lequel des deux qui a le même nez que son père? C'est moi. C'est moi. Ouais. Et il a été transformé par la vie. Eh ben, vachement bien là aussi. Hein. Ouais. C'est lequel le préféré de maman? C'est lui. Non, c'est lui. Non, je pense pas, non. Là-dessus, elle est assez impartiale. Ouais, c'est bien. Et de papa? Oh, ça dépend des humeurs. Ouais. Ça dépend ce qu'il arrange. Ça a été beaucoup moins, et là, moins. C'est lequel qui aurait aimé être le fils ou la fille de quelqu'un d'autre? Moi. Ah ouais? Ah ouais. De qui? De Jean-Paul Belmondo, Alain Delon? Ah ouais, non, un cordonnier. Ouais, un cordonnier. Fais gaffe, c'est le plus mal chaussé, le cordonnier. C'est lequel qui était le plus mauvais à l'école? Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est lequel qui a le plus emmerdé ses parents? C'est moi. C'est lequel qui a voulu faire acteur, le premier ou la première? Moi, je l'ai fait, mais ouais, par curiosité. Wow. C'est lequel ou laquelle qui n'a jamais pris de substance illicite? Une autre question? C'est lequel qui protège l'autre? C'est moi. Ouais, c'est les deux, attends. Ouais, c'est les deux, allez. Ouais. J'étais là plusieurs fois quand les pompiers... Ouais, ouais c'est vrai, quand j'ai crevé l'autre jour, ouais, c'est vrai. C'est lequel qui fait les plus beaux cadeaux à Noël? Je peux personne, tiens. Ouais. Vous n'êtes pas cadeau de Noël dans la famille? Oh, pas son frère. Ouais. Bon. On a un petit colis de temps en temps. C'est lequel qui a tourné le plus de navets? Toi aussi, pas, hein. Oh là. Oui, il y a des trucs qui sont même pas sortis, ça c'est une chance. Quand le mec, il sort même pas. C'est lequel ou laquelle le plus engagé politiquement? C'est moi. Ouais. Ouais. Le plus cultivé ou la plus cultivée? C'est moi. C'est gentil pour ta sœur. Je veux dire le contraire, je m'en fous. J'ai une culture très restreinte, mais à fond. Mais musicalement, tu t'y connais un maximum. Mais c'est tout. Bah oui, c'est bien. Mais je, Madonna ne m'intéresse pas. Bah oui. Bon. Mais je préfère Rimsky-Korsakov. Tout à fait. Hein? Mais j'ai la culture de ce que j'aime. Ouais. Et c'est peut-être mince, mais je peux tenir des conversations. C'est lequel le plus riche? C'est pas moi, c'est elle. Ah oui, t'es plus riche que lui, toi. Ah oh bah attends, faut bien que ça s'inverse des fois. Ah oui, d'accord. Il c'est sait lequel... bien que... Ouais. C'est lequel qui a le plus la grosse tête? Ah, c'est moi, je pense. Ouais, lui. Ouais. Non, 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 mais moi j'ai toujours été mégalo, mais ça n'a rien à voir avec ta grosse tête. C'est lequel qui a cru le plus longtemps au Père Noël? Personne. Personne. Ouais. C'est lequel qui croit en Dieu? Personne. Ah, vous croyez pas en Dieu? Si, moi, je... Tu crois un peu un truc? Non, quand je même. Crois un truc, mais quand je... t'écoutes de la musique, tu... Ah, mais c'est rien bizarre, à voir avec Dieu. Non, j'étais très étonnée l'autre fois, quand vous avez dit, j'ai vous ai regardé, ouais. Danny Boone s'est converti, je trouve ça sublime. Judaïsme en plus. Mais c'était mon ambition. Avant de rencontrer Mademoiselle Dayan, j'étais en philosophie, philosophie hébraïque et tout. C'est, et alors, ça tu n'es pas arrivé. Bah non, mais attends, t'en sais rien. Ouais. Ce qui va se passer. Moi, ma fiancée s'est convertie au judaïsme. Aussi. Ah oui ouais. C'est lequel qui est en froid avec papa? C'est toi, non? Ouais. En ce moment, c'est toi. Ah ouais. Ah, grave, je suis contente. Non, c'est pas grave, mais je suis contente. Ouais. Je me tapais 5 coups de fil par jour sur le divorce, l'argent, nanana. C'était des vacances. Ah ouais, je suis contente. Ouais. Ouais. Parce que j'écoutais poliment, hein, je suis polie. Et à un moment, je lui dis, je lui dis là, ouais. J'en peux plus. Hein. Ouais. Tu vas te garder tes problèmes. Voilà, et chacun sa mère. Voilà. Et voilà, les rois maudits de José Dayan. C'est lundi soir, mesdames, messieurs, et mardi soir pour les deux premiers épisodes